Salut, salut mes amis. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle recette. On va faire les petits biscuits chakalak. Les petits biscuits qui vont être parfaits à l'heure de goûter. Allons-y. Pour notre recette de chakalak, il nous faut 130 g de sucre roux, 250 g de yaourt, un œuf, 50 g d'huile végétale, 450 g de farine, demi-cuillère à soupe de bicarbonate, une cuillère à soupe de vinaigre blanc et du sel. Préparation. On va mélanger dans un bol la farine avec du sel. Puis on va ajouter l'huile végétale. Il faudra bien mélanger à l'aide d'une cuillère afin d'obtenir une masse bien homogène. Et on va incorporer le sucre roux. Mélangez bien pour obtenir une texture homogène. On creuse un petit puits et on ajoute l'œuf, un œuf entier. Et on incorpore également notre yaourt et une demi-cuillère à soupe de bicarbonate avec du vinaigre blanc. Bien mélanger pour obtenir une bonne pâte. Ça prendra 5-10 minutes. Finissez le travail sur votre pâte à l'aide de vos mains. Dès que la pâte est bien dure et facilement maniable, on prépare notre plein de travail avec un peu de farine et on étale. Vous pouvez utiliser des ustensiles pour découper votre pâte et donner une forme. La forme que vous souhaitez. La pâte restante n'est jamais gaspillée, car vous pouvez refaire des boules, étaler de nouveau et refaire vos biscuits. Badigeonnez vos biscuits à l'aide de votre mélange préparé en avance de jaune d'œuf, du lait et du sucre. Puis saupoudrez du sucre ou mettre une amande au centre de votre biscuit. Mettez au four pour 15 minutes à 180 degrés, puis 3 à 5 minutes à 220 degrés. Ces biscuits sont à déguster avec du thé ou du lait. C'est à vous de choisir. J'espère que cette recette vous a plu. Je vous dis bon appétit et à très vite pour de nouvelles recettes avec Mélassie Recettes.